Salut à tous, c'est Bysanka. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'information sur Fortnite. Je vais vous montrer la boutique du 23 novembre 2018. Vous avez vu, on a un nouveau skin, le Super Cut, le skin poulet du coup, qui a une petite histoire autour de ce skin. Je vous mettrai l'histoire, la vidéo, je vous la présente dans la description pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Honnêtement, il est trop stylé. Il a une de ses gueules, il est trop fun. Donc, le petit sac à dos, c'est basse-cour, l'espèce de petit œuf qui est en train d'éclore. Ensuite, avec ça, on a le planeur. Cocotte. Ah putain, stylé l'œuf qui éclate, j'avais pas encore vu. Ça franchement elle pète, non? 800 V-Bucks. Donc pareil, planeur de rareté rare. On a aussi du coup la pioche qui est un peu moins stylée, toute petite pioche. Le fouet, 500 V-Bucks. Ensuite on a du coup les fameux packs Wukong qui est juste ici. Donc en tout le skin, plus le sac à dos, la pioche et le planeur. Ça revient à 4080 V-Bucks. Alors, de mémoire, le skin Wukong, il était à 2000. Il y avait ce planeur Dragon Royal qui était à 2000. Donc, en tout, ça fait déjà 4000. C'est comme si on vous offrait en fait la pioche pour avoir acheté la tenue et le planeur. Donc, honnêtement, c'est pas dégueulasse. 15% de réduction pour les personnes qui l'ont pas encore acheté, pourquoi pas. Ici, on a le skin Cartoucheur, 1500 V-Bucks. Chauffard, 800 V-Bucks. On a la danse qui est juste ici. Pumpernickel. Et on finit avec la petite danse posantée. Alors franchement, une bonne boutique. Je pense que demain matin, je vous sortirai un petit gameplay avec ce skin sur la chaîne principale. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Si jamais vous voulez soutenir avec le code créateur Bysanka, c'est juste ici. Vous acceptez, n'oubliez pas tous les semaines ou tous les deux semaines, je crois, il faut le re-rentrer. Puisque le code se supprime tout seul. Puis voilà, on a fait le tour de la boutique. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à tous bon game et ciao tout le monde.